Monsieur Gale, c'est Chet Peterson, de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde, avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. Concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine Ishwari Gale, vous devrez vous munir du passeport de la défunte de l'origine. Hé ! Passeport. Respire. Laisse-moi parler, ok? Passeport. Gardez-vous. Qu'est-ce qui se passe? पटना बॉस पटना पटना में क्या परवा है तो बाद में क्या इन हमारी रेंज में है मैंने कहा बाद में क्या कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो चुप मिल गया कुछ मिल गया आलो चलो चलो बस से निकलो रुक रुको साले Est-ce que tu entends la même chose? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais? Ça a dégénéré. Dégénéré? Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh! Vous aviez un truc à faire, mais même ça, c'est trop demandé! Ça aurait dû se passer. Ma foi, pas comme ça. On t'a préparé une petite fête. Rien que pour toi. Je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce? C'est ton invité? Le genre silencieux, ça me plaît bien. Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça. C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes, et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça? Une petite seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif, et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié.
Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai dégagé mon agenda. Toi. Moi. On va tout déchirer! Should I stay or should I go? Et toutes mes félicitations à Ashley quand tu seras chez toi. Honnêtement, Paul, je dois bien dire que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe. Je m'attendais à plus de chaînes, de râles. Mais je te connais, je sais parfaitement que tu as une pièce obscure où les secrets coulent comme le sang. Ah, ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Eh bien, retire-lui ce putain de sac de la tête. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois. C'est plus ça que j'imaginais. Bien, allons, présentons-nous. LJ Gale, notre invité d'honneur. Paul, notre hôte bien-aimé. Le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Paganmin. Tu ne te souviens pas de moi, alors? Ta mère, elle ne te parlait jamais de moi, même en passant? On changera ça. Paul, j'ai besoin de cash. Combien il faut? Tout ce que t'as. Merci. Ah, voilà. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère est de son côté. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Que de souvenirs. Je n'ai pas revu Ishwari depuis plus de 10 ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça. Elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non? Non, les hommes ne peuvent aimer qu'avec du recul. Une fois qu'il est trop tard. Donc, quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis en t'emmenant avec elle, oh, je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de sang-d'or. Ces putains de terroristes. Ils dégueulassent tout. Même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner? Voyons ça. Donne le téléphone. Alors, les gars, on fouille même plus les invités. Ah, je suis avec LJ Gale. La suite est mieux. À l'aide. Un SMS pour à l'aide. On n'écrit pas à l'aide, il faut le crier. Allez, tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien, c'est parti. Allez, crie à l'aide. Crie à l'aide. À l'aide. Oh, c'est minable. Non, crie à l'aide. Je veux de l'intention. À l'aide. À l'aide. Viens du diaphragme. À l'aide. Chut, 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 chut. Attends, écoute. Rien. Je crois que tes amis viendront pas t'aider, mon pauvre. Oh. Fais-lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein? Bon. Allez. Ne bouge pas, mange tes raviolis au crabe. Reste là, je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on parle. Oh, c'est fabuleux. Toi, tu es un gentleman. Désolé d'avoir été si long, on a repéré des terroristes dans le secteur. Tout ça, tout ça. Les raviolis au crabe, hein? Ils... sont superbes. Oh, très bien, allons-y. Atterrissage parfait. Tu sais, je suis tout de même un peu surpris que ta mère t'ait demandé de la ramener jusqu'ici. Ah. Merci, Cameron. Vous voulez que je vous suive? Mais enfin, bien sûr, les cendres ne vont pas se disperser toutes seules. Ah.
Et ton père, est-ce que ta mère t'a jamais parlé de lui? Non, jamais. Mohan, le grand protecteur du Sentier d'Or. Un vrai connard. Il l'a prostituée en l'envoyant m'espionner. Mais on s'est aimé, on a eu un enfant. Et c'est là que Mohan a montré son vrai visage. Il vous a poussé à fuir, ta mère et toi. Il a même tué ta sœur, Lakshmana. Ce qui nous amène ici. Lakshmana ne devrait plus être toute seule. Je suis heureux de nous voir enfin réunis. Après toi. Bien. C'est bon, ça va mieux. Tu t'es soulagé d'un poids. Bien. On va peut-être enfin pouvoir vider quelques flingues maintenant.